Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec le table Albert 13 sur un table de 19 questions qui consiste surtout à parler des produits qu'on utilise pour le visage. Tout simplement, quelle crème du jour utilises-tu? Ça dépend de la saison. Si c'est en été, j'utiliserai la crème matifiant de Yves Rocher que je mélange avec la crème au SPF 15 ou 25 de Yves Rocher. En été, en printemps, j'utilise la Nivea crème soft, c'est le tube blanc. Et en hiver, j'utilise la crème et la Nivea crème. Le tube bleu, la classique que tout le monde connaît. Quelle crème de nuit utilises-tu? Pour la crème de nuit, vu qu'elle est plus épaisse, on peut aussi l'utiliser en jour, mais moi je préfère l'utiliser en nuit. C'est la de Yves Rocher que solution antifatigue sur la vitalité 24 heures. Mais je l'utilise seulement quand je sais des hommes de retour pour avoir un visage moins fatigué. Et voilà, quand j'ai pas encore faisais beaucoup. Elles sont pas spécialement à la fin de l'heure spéciale. Tout simplement. Utilises-tu des sérums en complément de la crème? Si oui, lesquels utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Non, je n'utilise pas. Quel est ton masque préféré? J'aime bien utiliser le masque de Garnier Pure Active 3 en 1 qui se présente comme ça. Sinon, j'aime bien utiliser le petit que Yves Rocher vend. Celui-là, c'est les 3 minutes éclair à la grenade. Et celui-là, c'est les 3 minutes fraîcheur au citron. Mais j'avais aussi essayé celui-là, je crois, au raisin, si je ne me trompe pas. Je sais même pas s'il existe encore, parce que quand j'achète un produit, je vois qu'il me convient. Je vais tout de suite mon stock si jamais je retire du marché. Combien de fois par semaine ou par mois fais-tu un masque? Des masques comme ça. Ça dépend, une à deux fois par semaine. Et si c'est celui-là, je l'utilise seulement quand je vois que ma poêle a besoin d'être vraiment bien nettoyée. Quel est ton nettoyant préféré? Mon nettoyant préféré, en fin de compte, je sais pas si ça existe encore. Je ne l'utilisais pas quand j'avais le début. C'est la lotion purifiante de Neutrogena. Je suis pas trop Neutrogena, c'est pour ça qu'il me tient pour longtemps. Utilises-tu au doigt, à la brosse, un grand toilette, une éponge ou quelque chose d'autre? Moi j'utilise la petite de coton que j'ai pour me démarquer, ça marche très bien. Quel est ton démarquant préféré? J'utilise un démarquant, mais c'est pas vraiment mon démarquant préféré. Mais il me convient très bien, c'est le bifaz de Barbara Gould 2 en 1, que j'ai pris comme ça. Je l'ai trouvé au supermarché. Ton exfoliant préféré? Je vais revenir sur celui-là. C'est un traitement nettoyant, exfoliant et masque. Ça me va très bien. Combien de fois exfolies-tu ton visage? Ça revient à la question dans la question 5. Ce masque, j'utilise vraiment quand je vois que je commence à avoir des imperfections ou quand je vois qu'elle est vraiment grasse et tout. En été, j'utilise plus qu'en hiver. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, tu fais régulièrement ou si c'était juste pour un nettoyage? Non, je n'ai jamais fait ça. Mon budget ne... Comment dire ça? Mon budget ne pourrait pas suivre pour faire ça. As-tu déjà eu des soucis de peau, tels que des boutons d'acné, des rougeurs ou autres? Comment tu es venu au bout? Quand j'étais petite, environ à 5, 6 ans, j'avais des petits. Des boutons. Moi, ça me piquait, donc je grattais, mais ils étaient sur la tête. Je suis allée voir un dermatologue, hein, tout simplement, il y en a une près de chez moi, enfin, près de chez moi, 3 km. Et elle m'avait dit qu'en fait, ce problème venait quand j'étais jeune. J'aimais bien aller me promener dans la forêt avec mes parents et mes grands-parents. Et c'était apparemment des petites bêtes seules apparemment qui venaient sur ma tête. Et c'est tout ça. Et on m'a prescrit une solution qu'il fallait que je cherche en pharmacie. Et il fallait que j'applique, je crois, 2 fois par jour. Ouais, le matin et le soir. Et si je venais juste à le mettre avant que je grattais un bouton parce que ça me piquait, ça brûlait. Ça, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Je sais que c'était un embout qu'il fallait frotter comme ça. Le problème avec ce produit, c'est qu'il me rendait les cheveux gras. Ah, il fallait que je lave encore. Enfin, tous les jours, tous les deux jours, il fallait que je lave les cheveux. En fait, c'était une catastrophe. Et heureusement, quand j'étais petit, j'avais les cheveux courts. Vous allez là. Plutôt fond de teint, bébé crème, aucun. Quel est ton fond de teint, bébé crème préféré? Ben, si j'en utilise aucun, à part les fonds de teint pour, je pourrais vous en montrer un. Hein? C'est le clair naturel de Yves Rocher. Utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, lequel? J'utilise un correcteur
correcteur, comment dire, pour voir ce que j'avais besoin. Mais mon correcteur, c'est pas encore mon correcteur préféré. C'est celui-là, c'est le correcteur teint. Marc-Edouard, tu vois, clair. Est-ce que je vous explique que j'utilise encore beaucoup de correcteurs et d'encre, tout simplement parce que j'ai encore rien trouvé pour mon incarnation dans des prix corrects, tout simplement. Pour des livres, pour de compacts, les deux, je peux vous montrer les deux. Alors, je reviens avec la base naturelle du brochet. Et je vais laisser la peau de livre transparente aussi du brochet. Je préfère en effet, c'est plus léger premièrement sur la peau et c'est plus économique des dépenses parce que j'en utilise moins. Ton bronzer favori, je peux pas dire que c'est un bronzer, tout simplement, je vais mettre la dernière. C'est pas un bronzer à la base, c'est la poudre de compact de réserve naturelle, la couleur numéro 3. Problème avec ce produit, il est très bien. Problème, vous voyez, elle est bien creusée déjà. Et pour mon incarnation, elle est beaucoup trop foncée, donc je vais utiliser un bronzer, ça va très bien. Ton blush favori, il n'y a pas de blush, donc je peux pas vous en citer, j'en ai quand même pas. Et ton highlighter favori, l'highlighter que j'ai vu en magasin, pas en magasin sur le site, c'est beaucoup trop cher pour mon budget, donc je ne sais pas encore été tenté par un eyeliner, parce qu'après je ne saurais pas s'il me convient ou pas, donc après mettre, je sais pas, moi, entre 20 et 30 euros dans un truc que je sais pas si je vais utiliser après, non. Après, voilà quoi, après, ceux qui veulent, voilà, c'était la dernière question. Si tu veux faire ce que tu as envie d'aller faire en tant que youtubeuse, youtubeur, vlogueur, vlogueur, ça dépend, peut-être aller aussi des hommes qui se maquillent, hein. Voilà. En barre d'infos, je te mets les. Là, tu peux me suivre, donc YouTube, Google Plus, Blogspot et Skyblog. Et à propos des crèmes hydratantes, j'ai déjà fait une vidéo pour. C'était le conseil pour les débutants. Je t'invite à aller voir là-bas. Pourquoi j'utilise quel produit? C'est là que je ne te l'ai pas montré. Sur ça, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao!